Cette semaine, j'ai dû rentrer chez moi, dans les Pays de la Loire, même si ça faisait presque 2 mois que j'avais déménagé dans le sud de la France. J'ai revu ma région où il y a toujours du vent, de l'eau marron opaque et des spots de surf assez ingrats. Mais tu sais quoi, retrouver tout ça, ça m'a quand même fait trop plaisir. Faut avouer quand même que nos côtes et nos paysages sont magnifiques. On n'est pas sur des grandes étendues de sable à perte de vue, mais plutôt sur des petites côtes sauvages, rocheuses et pleines de végétation. Alors je vais revenir dans le sud de la France d'ici quelques jours, mais en attendant j'ai pu bien profiter de ma famille et de ce joli cadre qui m'entourait. Et surtout, j'ai pu aller surfer dans cette fameuse eau marron pas très jolie, et j'ai tout filmé pour te produire une belle petite vidéo sur le surf en Loire-Atlantique. Salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et toutes les semaines je te poste une vidéo sur cette chaîne, que ce soit un tutoriel surf, un documentaire ou même un vlog sur le surf. Alors si jamais t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant des vidéos qui sortent. Et cette semaine, je vais t'emmener surfer avec moi dans des conditions qui sont pas trop parfaites, mais ça fait quand même plaisir d'aller à l'eau. Allez, c'est parti! Avec sur le spot de surf avec quelqu'un que tu connais peut-être. C'est parti. J'avais une petite semaine à passer chez moi en Loire-Atlantique pour voir de la famille, mais j'en ai quand même profité pour faire une petite session de surf que j'ai filmée et que je vais te commenter. Et je suis allé surfer avec un type que tu connais probablement si tu regardes des vidéos de surf. Et cette personne, c'est Paul de la chaîne OA Surf. On a discuté sur Instagram, il m'a proposé de le rejoindre pour surfer avec lui. Le type est super cool, très bon délire, et tu le sais probablement, mais si jamais c'est pas le cas, il fait aussi des vidéos de surf, alors je te mets un petit lien en description si jamais ça t'intéresse de checker tout ça. Alors moi c'était ma première fois sur ce spot, et je t'avoue que quand je suis arrivé et que j'ai vu la tête des vagues, j'étais un petit peu déçu. On arrive au spot, c'est dur. Mais finalement, j'ai quand même pu passer une excellente session. Comme quoi, cette région réserve bien des surprises. De merde, vague pas ouf, mais on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Oui, à Paul qui est parti. Oh. Bon, du coup, on s'est mis à l'eau. La vague a fini par se caler au bout d'un moment et on a eu une bonne session avec quelques vagues vachement cool. Et surtout, on a le droit à ce magnifique lever de soleil. Thank you.
c'est comme ça que la session s'est gentiment terminée. J'ai comme fait pas mal de chutes parce que j'ai du mal à vraiment ouvrir mes bras pour finir la rotation, mais je vais continuer de m'entraîner pour bien progresser. En tout cas, je suis vraiment content de m'être levé pour aller surfer, même si au début c'était un peu moche, mais ça fait toujours plaisir et on regrette jamais de se mettre à l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras bien aimé. Si tu veux me soutenir parce que tout ça, ça représente beaucoup de travail, tu peux t'abonner à cette chaîne et également à mon compte Instagram, lâcher un petit commentaire, un petit like, bref, je pense que tu connais un petit peu la chanson. Je reviens semaine prochaine dans les Landes, dans le sud-ouest précisément, vers Seignos. J'ai hâte de rentrer, de te filmer un maximum de choses sur le surf là-bas, donc je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Allez, ciao.